téléphoner. Taquiner. Taquiner. Tu vois, c'est pas méchant. Suicide. Oui, c'est pas méchant, non? Suicide. Ouais, là, c'est plus... Grenier. Je me pose des questions lorsque je pars en exploration. Ces maisons, qui ont chacune leur vécu, et si, entre ces murs, l'empreinte de notre passage y restait figée, emprisonnée. Que reste-t-il vraiment derrière ces portes? Sommes-nous capables de voir au-delà de nos yeux et d'écouter son histoire lorsqu'elle se livre à nous? Salut tout le monde, aujourd'hui on part pour une enquête paranormale qui s'est décidée tôt dans le matin. Vous voyez, parce que là il doit être aux alentours de 8h30-9h. Et nous allons enquêter dans cette maison que je connais depuis plusieurs temps. Je peux vous dire qu'elle fait bien flipper parce que là ce matin ça a bien commencé, on est arrivé. Je vais commencer à tout mettre en place. Et Angélique va dans la chambre qui se trouve derrière vous. Et un chat part en courant à fond la caisse, et j'étais limite crise cardiaque. Donc ça s'annonce bien. Déjà que je sens pas trop ce matin, je sais pas pourquoi, j'ai envie de rien foutre, mais je fais pour vous et pour elle, parce que c'est elle qui me réclame depuis pas mal de temps. Donc on va allumer le K2. Voilà. C'est moi qui vais le prendre. On va se présenter. Donc bonjour, je m'appelle Jérôme. Bonjour, je m'appelle Angélique. Nous sommes venus ici en paix. Nous ne sommes pas là pour vous faire du mal ou autre, hein, ou casser les lieux. Je pense que le lieu s'est détruit assez tout seul avec le temps. Ouais, il est bien, bien dangereux. Ouais, parce qu'il y a des pièces qu'on ne peut pas aller parce que ça commence à tomber, quoi. Et donc, je voudrais savoir si une âme serait en ces lieux. Si oui, vous pouvez toucher le boîtier noir que j'ai dans la main. Sinon, vous pouvez interagir avec le boîtier que j'ai mis sur le lit, ainsi que le petit boîtier noir. Il va m'indiquer que vous êtes bien là, ou sinon j'ai mis un autre boîtier dans le couloir. Vous pouvez passer devant et il me préviendra que vous êtes bien là. Donc là, Angélique va prendre la Spirit Voice et on va faire un test avec. Comme vous le savez, la dernière enquête n'était pas très très concluante, à part que il y a eu des gogoles qui sont venus dans la nuit. Mais ça... Ils nous ont bien fait rire. Ils nous ont bien fait rire, voilà. Il y a un bouton sur le côté. Hop. Donc, vous pouvez aussi également interagir dans ce boîtier. Il y a 2500 mots. Vous pouvez en choisir un et nous le dire. Ben, le boîtier va nous le dire, nous le citer. Et ça va peut-être nous aider à comprendre votre histoire. C'est comme un dictionnaire. Vous pouvez choisir des mots, des phrases, et avec ça, communiquer avec nous. Nous faire passer un message, si vous voulez. Donc là, nous sommes dans la pièce qui, pour moi, est une petite salle à manger. Ouais. Petit salon. On peut y voir derrière moi une table, un frigo. Il y a encore les verres. Ouais. Il y a encore les sucres dans cette boîte. J'adore les rideaux. Donc n'hésitez pas à interagir avec nous. Les rideaux léchés comme ça, j'aime bien. Il y avait un chat quand on est arrivé. Enfin, moi je ne l'ai pas vu parce que, en fait, moi quand je suis arrivée dans la chambre, j'y suis allée gaiement. Et d'un coup, j'ai entendu un truc courir.
Parce qu'en fait, il était planqué en dessous de lui, parce qu'il nous a entendu arriver. Parce que quand on est arrivé, on s'est annoncé. Des fois qu'il y a un squat où on ne sait jamais, on prévient toujours quand on arrive. Donc on s'est annoncé. Et en fait, à mon avis, le chat nous a entendu et il s'est planqué sous le lit. Et en fait, moi, quand je suis arrivée dans la chambre, j'ai entendu un truc courir. Et en fait, c'est Jérôme qui était derrière. Et le chat, quand il l'a vu, il a fait... Il a bien flippé. C'est bien venu d'entrer. Il était déjà pas trop décidé à venir ce matin. Ça commençait bien. N'hésitez pas à interagir avec nous. On veut juste savoir si une âme serait en ces lieux. Déjà, est-ce que ce chat était à vous ? Je ne pense pas, parce que le dernier calendrier qui est ici, il est de 99. Bah alors non. Non, c'est un... Donc le chat aurait ton âge. Oui. Quoi, 99 ? Oui. Bah non, bon, je suis pas de 99, moi je suis de 75. Ça te déconnise. Non, 99, c'est l'âge de ma fille. Bon, on doit faire un truc sérieux. Oui, ça va. N'hésitez pas à interagir avec nous. On n'a vraiment pas de bol en ce moment. En fait, quand on n'a rien du tout, il y a des trucs. Il y a des ressentis, il y a des calures agiles, les trois quarts du temps. Enfin, même souvent, quoi. Même bien, c'est déjà arrivé dans certains lieux où c'était la foire au cadeau. Le truc qui... Je m'en rappelle dans la maison hier, là, au niveau de la porte. Au niveau de la porte de la chambre, le truc qui était faux. Et au niveau du lit, dans la chambre, au niveau du lit, où il y avait la petite poupée avec des beaux habits en crochet, là, c'est pareil, c'était la fête dedans. C'est là où ça a le plus réagi, je pense. Quand on avait le cadeau, je parle, parce qu'il y a eu d'autres endroits où c'était vraiment très très lourd. Et il y a eu d'autres endroits où je me rappelle. On a pris une photo d'un chapeau, en fait, dans une maison. Je ne citerai pas le nom parce que de base on n'était pas censé être là. Une autre maison. N'hésitez pas pareil, à interagir avec moi, s'il vous plaît. Et en fait, j'ai pris une photo au niveau d'un chapeau qui était posé sur un fauteuil dans une chambre. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis mis, mais j'avais pas forcément d'émotion dans le moment-là, au début. Et ça m'a pris, du coup, je me suis mis à pleurer, d'un coup. Et en fait, j'ai su, parce que j'ai fait des recherches par rapport à tout ça. Et on m'a dit que de ce que j'ai vu, c'est moi qui ressens les émotions du lieu. Ou alors on me fait passer les émotions de la personne décédée, en fait, du défunt, qui se sert de moi pour exprimer les émotions, en fait. Et en fait, je pense que le chapeau là devait avoir une valeur sentimentale très très forte. Et quand j'ai pris la photo, en fait, je me suis fait avoir toute seule, quoi. J'ai pris la photo et je me suis mis à pleurer. Vraiment, les larmes qui sont venues d'un coup. Voilà, on va faire ça dans la chambre. Moi, je suis toujours pas tranquille. N'hésitez pas à interagir avec nous. Blanc. Ah, blanc. C'est la première fois qu'il parle, le truc. Ouais. Blanc. Bah, blanc, la neige, qui est blanc. Oui, parce qu'on est le 24 à... Égorgement. Oh, oh, oh. Oh, oh. Purée. C'est quoi ça? Ah non, mais j'en ai des frissons encore. Déjà, le chat, il m'a fait flipper tout à l'heure. Égorgement. Cire. Cire, c'est monsieur. Il y a un monsieur avec nous?
Bah, c'est bien. Par contre, c'est vite là-haut, là. Rien du tout. Je dis, hein, ce matin, je sens pas, quoi. En fait, là, il neige plein pas. Refroidir. Oui, ben, refroidi, oui. Il neige c'est plein. Refroidi. On est le 25 avril, pas le 24. Projet. Religion. Religion. Oui, tu vas attendre la croix. Religion. Guerrier. Là, je comprends pas. Bah, guerrier, ça va avec égorgé, quoi. Pour l'instant, le K2, j'ai pas. N'hésitez pas à toucher le K2 aussi. Guerrier, bah, peut-être qu'il a. Est-ce qu'il a fait la guerre ou les guerres? 10. 10. Vous avez fait une guerre? Rire. Vous foutez de notre gueule, en fait? Non, c'est plutôt. Luc? Vous vous appelez Luc? Capitaine. Capitaine. Ah, il a peut-être fait la guerre. Comme mon grand-père, oui, j'ai un mon doute. Grand-père, il a fait des guerres. Égorgement. Luc. Est-ce une coïncidence? Voilà, c'est le égorgement, moi, qui m'a un peu refroidi, quoi. Ben oui, refroidi, comme il a dit tout à l'heure, d'ailleurs. Oui, mais comme... S'il a fait la guerre, il parle là, ça ressemble beaucoup à un truc de guerre. Écoutez. J'aimerais comprendre votre histoire. Vous avez d'autres mots à choisir dans le... Êtes-vous un homme? Je sais que tout à l'heure, ça a dit Luc, mais êtes-vous un homme? Par rapport à ces paroles, nous avons recherché sur si Google... Si oui, vous pouvez toucher le boîtier, une correspondance, s'il vous plaît. Et nous avons trouvé pourquoi Jésus prononce-t-il des paroles si terribles. Amenez-les ici et égorgez-les devant moi, dit Jésus dans une parabole de l'évangile de Saint Luc, 19, 11, 28. Comment comprendre cette parole? Êtes-vous une femme? Donc, là, il vient de dire contrat. Je vois pas le rapport. Je vois qu'il y a le soleil qui apparaît. Je vous montre tout vite, parce que j'ai la lampe accrochée. Vous voyez, je mens pas. N'hésitez pas à interagir avec les boîtiers qui sont sur le lit, s'il vous plaît. Vous pouvez toucher les boîtiers qui sont sur le lit, vous pouvez toucher le boîtier que je tiens dans la main et vous pouvez nous laisser un autre message dans la boîte que je retiens dans la main. J'aimerais juste savoir moi si vous êtes un homme. Êtes-vous un homme, s'il vous plaît? Vous pouvez me répondre en touchant tous les boîtiers qui traînent ici. Ils sont inoffensifs pour vous, hein. Je le répète. Pensez-vous qu'on vous dérange? Bah non, pensez-vous qu'on vous dérange? Non. J'aimerais savoir si moi et Angélique, on vous dérange. Vous pouvez faire un bruit, taper sur le mur. Faites comme moi. Si vous le faites, je me vois en courant. Ou je vais faire un... Et vous faites la suite. Regardez. Tout, tout, vous faites. D'accord? Je le refais. Les cadeaux, tu peux pas me dire.
N'hésitez pas à toucher le boîtier noir maintenant que j'ai pris dans la main. Allez-y, nous sommes à votre écoute. Êtes-vous sur le lit? Oui, vous avez un message à nous faire passer. Est-ce que nous parlons avec Luc? Êtes-vous dans le couloir? N'hésitez pas à toucher le boîtier noir qui est au sol. Il y a une route à côté, donc le bruit qu'on entend, c'est les voitures. Peut-être la gendarmerie, comme je le sens pas ce matin. Vous pouvez reparler avec ce boîtier qu'Angélique a dans la main, s'il vous plaît? Heureusement que je n'ai pas un grand... parce que sinon, ça va sonner. Là, nous changeons de pièce. Donc là, tu bouges juste le bord. Bien. Donc, nous sommes arrivés dans une autre pièce. Est-ce que vous êtes à l'intérieur, s'il vous plaît? N'hésitez pas à interagir avec nos boîtiers et tous ceux qui sont installés dans le bâtiment, s'il vous plaît. Malheureusement, j'ai qu'une caméra qui pourra suivre le boîtier noir qui est dans le couloir. J'ai oublié de recharger une caméra aussi. Donc je tiens à signaler que nos téléphones sont bien en mode avion. Vous aviez des enfants? Des enfants qui étaient dans cette chambre? Je regardais sur le mur si je voyais des traces d'une personne qui a tapissé ou qui a mis une date. Je ne vois rien du tout. Par contre, donc on peut voir qu'il y avait bien un lit là. Cette lumière là, c'est pour quand vous êtes couché, hop, vous tirez, vous allumez la lumière. Là par contre, je ne sais pas, il y avait quoi? Une étagère, je pense. Ouais, je pense une étagère. Il y a peut-être un cadre ou une glace. Touchez le boîtier noir que j'ai dans la main. Moi, le jour où j'ai sorti les photos de cet endroit, on m'a dit que c'était une personne qui gardait l'ancienne scierie qui est à côté. Et puis, bah, bien sûr, c'est plus trop une ancienne scierie maintenant, c'est un truc écroulé. Donc là, nous sommes dans une partie du bâtiment où une partie a été écroulée. Bon, apparemment la chambre c'est un peu mort. Nous allons rejoindre ça, je suis pas ici. Le salon.
Franchement, je suis au concours, je ne me vois pas pour la personne. Gaffe le côté. Je n'en ai pas peur. Donc nous retournons dans la salle où ça avait un barrage. Êtes-vous dans le salon, s'il vous plaît? Si oui, vous pouvez toucher le boîtier? Pour l'instant, il n'y a que la Spirit Voice qui a réagi. Le cadeau n'a pas réagi. Au niveau ressenti, pour moi, on va dire... Je sais pas, je me sens un peu bizarre ici, mais surtout dans l'autre salle là-bas. J'aime pas la salle là-bas, je sais pas pourquoi. La salle où il y a les papillons. Ici, je me sens. Je sais pas, je me sens bien, mais. Êtes-vous assis sur la chaise? J'aimerais savoir, est-ce que vous viviez seul? Nous avons eu un contact, enfin je suppose que nous avons eu un contact. Tout à l'heure, on nous a parlé de Luc, le capitaine. Oui, mais ça, à mon avis, ça n'a pas... Pas d'importance. Parce que ça colle pas avec le lieu. Êtes-vous sur le canapé? Je vais vous montrer un truc qui est encore tout dans l'immeuble là normalement. Vous voyez? Ouais, je reprends le boîtier. Or faire échange, parce qu'avec elle ça parle pas. Non, pourtant, parce que peut-être c'est elle qui parle de trop. Est-ce que vous avez quelque chose à me dire à travers ce boîtier, s'il vous plaît? J'ai l'impression que c'est bien vide dans ce lieu. Bon, on a eu quelques réactions avec quand même la Spirit Voice. C'est une première. Là. J'avoue que je suis un petit peu sur le cul. Mais je trouve que les mots, ça concorde pas trop pour... Par contre, blanc, refroidi, ça colle avec la météo qui fait dehors. En ce 25 avril. Mais... Je me souviens égorgement, cire, capitaine, il y a quoi encore? Luc, rire, peut-être que le monsieur s'appelait Luc. Rire, peut-être qu'il est dans cette pièce et en fait qu'il se fout de nous. Oui, ou alors c'était nous qui parce qu'on rigolait tout à l'heure. Donc, on rigolait pas trop quoi. Moi pas trop quoi, j'ai été limite de la crise cardiaque. Oui, moi j'ai bien rigolé, écoute, après. Donc vous rigoliez pourquoi s'il vous plaît? Choisissez un mot d'autre boîtier. Peut-être que ça va faire rire. Rire. Rire encore. Rire. Ça fait deux fois. Rire? Oui. Deux fois.
Oui, mais en plus, c'est ce que tu étais en train d'interpeller juste avant. Ben oui, j'étais en train de lui demander, avant que je déplace la caméra de l'autre côté, j'étais en train de lui demander, en fait, si il se foutait de nous. Et là, ça vient de dire rire. Oui, ça correspond, en fait. Taquiner. Taquiner. Tu vois, c'est pas méchant. Suicide. Oui, c'est pas méchant, non? Suicide. Ouais, là, c'est plus... Grenier. Non, bon. Scan, s'il vous plaît. Barre. Oh. Jambe. Oh non, mais là, ça m'a redonné des frissons. Ouais, et puis... Suicide, grenier, le grenier est juste là. Et j'ai vu que la porte était ouverte, que d'habitude, elle est fermée. J'espère qu'il n'y a personne, quoi. Oh, je ne sentais pas ce matin. Flambé. Oui, flambé parce qu'il fait froid. Pièce de monnaie. En ce moment, j'avoue que j'en ai pas vu dans ce lieu. Oui, puis c'est bizarre, on a fait de la détection il y a pas longtemps. Ah. Et on t'a donné une pièce de monnaie. Esme. Ça veut dire quoi ça? C'est un prénom. Ah d'accord. C'est un vieux prénom. Épilogue, c'est la fin. L'épilogue d'un chapitre, c'est la fin. Fiole. Oh vache, pas ça prend. Colombie. Ah oui, viol, Colombie. Je sais pas. Non, ça n'a rien à voir. Film. Oui. Je fais des vidéos, oui. Méchant. Non, je suis pas méchant. Tante. La tante. Antiquité. Oui, Angélique. Sentiment. Sentiment. Oui, pareil pour Angélique. Elle en a beaucoup pour moi. Ouais. Grand-mère. Grand-mère. Révérend. Révérend. 49 ans. Ah, c'est mon âge. Non. C'est son âge? C'est mon âge. C'est l'âge de... Palais? Cercueil. Oh là. Paranormal. Oui. C'est ce que nous faisions. Est-ce que vous pouvez donner le prénom de la grand-mère, justement? Si c'est... C'est ma grand-mère qui cherche à donner un message. Est-ce que vous pouvez donner le prénom? Est-ce que vous savez le prénom de la grand-mère d'Angélique? D'une de mes grand-mères, parce que j'en ai plusieurs. Ouais, elle a plusieurs grand-mères. Nous, on en a deux, mais... Je tiens à signaler que cet appareil ne contient pas de micro. Alors ces réponses sont-elles des coïncidences? Ouais, putain, c'est chelou, quoi. Ah non, mais le truc suicide grenier, la porte, j'ai vu qu'elle était ouverte, là, j'avais la porte fermée. Et puis c'est ce que tu as demandé juste avant, c'était quoi, l'endroit là? Parce que je t'ai dit, on n'y est pas encore allé. Moi, j'y suis déjà allé, mais c'est chaud. À vous d'en juger. Ça y est, vous êtes calme? Dire que c'est bizarre, quoi, parce que il y a eu le truc de pièce, on a fait la détection juste avant, il t'a donné une pièce, l'âge, ça correspond avec mon âge à moi, paranormal, c'est justement c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on est en train de faire. Je vais aller voir dans le grenier. Je suis désolé, hein, la caméra elle est sur un trépied. Donc ça prend un peu de place. Con. Ah non, coup. Ouf. Coup. T'as demandé tout à l'heure. Coup. Non mais le coup. Pas le coup.
Ni, c'est le coût financier, tout des trucs comme ça. Bon, déjà c'est rassurant, il n'y a personne. Juste des oiseaux. Ouf. Parce que tout à l'heure, il m'a foutu les boules. Hein. Donc là-bas, on, je ne sais pas si vous voyez avec la caméra, on voit du jour, mais c'est le toit qui est effondré. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Le Lot-et-Garonne. Le Lot-et-Garonne. Non. Ça colle pas. Donc ça, on va pas en tenir compte. La nuit. La nuit. Est-ce que vous voulez qu'on revienne la nuit? Voulez-vous qu'on revienne la nuit? Certains. Je regarde quand même si je vois pas de corde parce que. Ah, je suis un peu. Donc là, le dernier mot, c'est certain. Certain. Est-ce que vous êtes dans le grenier, s'il vous plaît? N'hésitez pas à interagir avec. Vous touchez le boîtier noir que j'ai dans la main. Si vous êtes dans le grenier. Edith, c'est pas ta grand-mère, hein? Non. Non. Nous avons Edith Piaf, que nous connaissons très bien, qui est décédée, qui va être remplacée par Aya Nakamura, ou je sais plus quoi. Ça va être chaud. On va avoir des beaux JO. Je pars en couille. Ah, dja, dja. Touchez le boîtier noir que j'ai dans la main. Oh. Attends, c'est peut-être parce que j'ai. Ah. Refaites, si c'est vous. Ah non, c'est ça. Ouais, c'est parce que tu le sais. Parce que j'ai vu se refaire. Vous refaites, c'est vous, s'il vous plaît. L'autre est devant la caméra. Ah. Sur lui. Je vais quitter le grenier parce que. Je sais pas grand chose. Êtes-vous dans la cuisine? La cuisine, je peux pas m'avancer plus parce que là, le plancher, écoutez, en fait, il est en train, voilà, il casse. Êtes-vous dans la cuisine? Donc là, vous avez la cuisine. Là, pour la toilette, le monsieur, je sais pas s'il avait l'eau parce qu'il y a beaucoup de bouteilles d'eau en fait dans la douche. Je vais vous montrer.
fait, il n'est pas de 99, il est de 95. Salut. Bonjour. Vous êtes avec moi? Si vous êtes avec moi, vous pouvez toucher le boîtier noir que j'ai dans la main? Détruire. Oui, le bâtiment, je crois qu'il va bientôt être détruit. Raphaël. Donc là, je pense qu'on va arrêter l'enquête ici. Parce que je trouve que les mots que ça sort, c'est pas cohérent, à part me faire flipper. On voit bien que le cadeau il réagit pas. Après, j'analyserai les images de la caméra qui est là-bas, parce que j'avais laissé le cadeau devant. Donc peut-être ça interagit là-bas, quoi, mais là, pour le moment, le bruit que vous venez d'entendre, c'est Angélique qui a encore la dalle. Voilà, c'est chiffant. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout couper, et s'il y a vraiment des résultats, je vous les mets en fin de vidéo. Allez.